Salut les stations fréquences, les bonnes surprises à côté à vous tous de la part de Dundee 33. Alors on est le vendredi 3 novembre 2017 et c'est parti pour le QSO national section sud-ouest. Ok, attends, moi aussi là, j'ai eu du QRM, mais au QRA, pas sur les ondes, Hachi. Ouais, ce soir là, j'ai avec le noyau blanc cœur du poste à bloc, j'ai un signal de 5, entre 5 et 7 là, voilà. les gens qui sont sur le SDR, là, qui écoutent, ils doivent entendre que ça crépite à mort, donc voilà ce que je me tape, c'est sympa. Il y a bien un nouveau voisin qui s'est acheté un CPL, voilà, et qui a allumé sa télé il y a 10 minutes à peu près, et sans doute pour regarder un film, voilà, je suis bien content. Bon, en tout cas, les amitiés à ceux qui sont à l'écoute, là, sur le web SDR, pour le peu qu'ils vont entendre ce soir, en tout cas, j'espère que vous pourrez en profiter du QSO. Retour, Rémi. Ok, les bonnes 73 à toi, voilà, ça y est, ok, je me mets en place tout doucement, ça y est, c'est bon. Ouais, parce que là ce soir on a un invité surprise au QRA, donc je sais pas, peut-être qu'on l'entendra ou pas dans le QSO, je lui tends la perche, on verra bien. Ah ah, un invité surprise, ouais, j'aimerais bien savoir qui c'est. Et bien 73, l'invité surprise, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, on va laisser un petit blanc, voir s'il y a des stations qui veulent rentrer en QSO. Pardonnez-moi si j'entends pas les breaks, mais ce soir les conditions d'écoute sont absolument abominables. Donc j'entends à peine Rémi, c'est pour dire. Donc voilà, faut pas m'en vouloir si je vous entends pas. Mais Rémi, il vous fera rentrer, il n'y a pas de problème, donc allez-y, lancez les appels. Ouais. Ouais, celui-là je l'ai entendu, 73. 73 Rido, j'espère que tu vas bien, 73 à Rémi, 73 à toutes les autres stations qui sont avec nous, voilà. Le 14 Victor et Covent 7, c'est l'opérateur Eric, voilà, retour Rido, tu peux tomber. Ok, ça marche, j'espère que ça va, moi ça va nickel, voilà. Ça fait plaisir d'entendre une station qui passe au-dessus des QRL, là, ce soir, comme je disais, c'est costaud, il y a un nouveau voisin qui s'est installé un CPL, et donc voilà. et c'est dégueulasse comme ça, d'à peu près 3 MHz jusqu'à 30, hein. donc voilà, je suis super content. Ok, et bien, je suis tombé sur Rémi, à toi Rémi. Ok, les bandes 73-51 Eric, en espérant que tu ailles bien, qu'il y ait eu de la propague un petit peu là aujourd'hui. Pour moi, c'était sortie moto aujourd'hui. Ok, Rémi, 73. Je n'ai pas fait de radio celle-ci, je m'en tirais en fin d'après-midi là. Donc, j'ai fait un petit QSO avec Daniel Santor. Et puis, il y avait mon voisin, la Patrick, qui est du côté de Cazouzac. Donc, Daniel nous a envoyé 73 à tous, voilà. Et puis c'est tout parce que j'étais dans le blayer aujourd'hui, donc c'est pour ça, j'étais chez ma belle-mère. Oui, enregistre le break, hein. Là il est bien passé au cuir. Hein. Eh bien, ok Eric, il y a eu un break, je ne vais pas le faire attendre plus longtemps, en avant le break. Ok Doudou, les bandes 73 à toi, c'est Stas, ah t'es pas au même endroit. Retour sur Ludovic en espérant qu'il arrive à te sortir. Oui, 73-51 Doudou, j'arrive à te sortir avec le SDR, j'arrive à t'entendre un peu. Je passe à travers les QRM, l'antenne est un peu plus loin des CPL, donc ça va. J'arrive à entendre un petit peu, mais ça a l'air de bien passer en tout cas, donc les bonnes amitiés à toi. Je suppose que si tu as assez stable, c'est que tu es peut-être en train de charger ou quelque chose comme ça. c'est peut-être pour le boulot, donc voilà, si c'est le cas, bon courage. Voilà, je fais tourner sur Eric, à toi Eric. Ok, merci Lido pour ton micro. 73 Doudou, écoute, j'espère que tu vas bien.
Ça passe bien, moi de mon côté, c'est pas très loin, donc ça va. Hein. Allez, retour à toi, Doudou, les invités. Affirmatif, là tu m'arrives bien, je crois que tu m'es jamais aussi bien arrivé comme ça là au QRA. Ok, je fais un retour de micro sur Eric. Ok, mais il n'y a pas de souci, merci Rémi. Tant que j'y passe, Ludo, j'ai un petit commission à te faire de la part de Daniel Santor. Il t'a envoyé un mail pour que tu puisses le valider, pour qu'il puisse aller sur le chat. Voilà, je ne sais pas si tu l'as reçu. Ok, bah ça tombe bien parce que justement sur le forum, il y a un OM qui me posait la question. Donc ça doit être certainement l'une des demandes que tu as, quoi. Alors oui, c'est bien possible hein, que ce soit un de ces OM-là. Pardon, si j'ai mis un peu de temps à répondre, c'est parce que du coup j'ai mis le casque, j'écoute avec le SDR, sinon avec le poste c'est infernal. Donc le temps de mettre sur mute le SDR et puis de prendre le micro, après il y a un petit retard, donc excusez-moi si je suis pas très réactif. Voilà, de toute façon, comme je disais, hein, j'ouvre les accès à qui le demande, il n'y a pas de problème. Je filtre pas les gens, je ne filtrerai que s'il y a des comportements qui ne méritent pas d'avoir accès à cette chat. Voilà. Allez, je vais faire tourner le micro à Doudou. Donc Doudou, t'es parti là, t'es sur la route ou t'es en attente de charger là? Que ça ne brinque-balle pas pendant le trajet, même si la route est de bonne qualité maintenant, c'est pas la peine que ça brinque-balle. Et quand c'est comme ça, tu prends l'autoroute ou tu prends la nationale? Là je prends la nationale au niveau de la fin de l'autoroute, là, à 10, là, je reprends direction Angoulême, là, par la nationale 10, là, et jusqu'à Poitiers, et puis à Poitiers, je récupère le petit bout d'autoroute, là, et puis je vais faire mon relais. Je vais faire mon relais sur Châtellerault ou Futuroscope en fonction de l'avancement de mon collègue. Ok, ouais, t'as raison de prendre l'autoroute à ce niveau-là parce que le reste c'est que des portions à 70, là, toute la rocade de Poitiers, tout ça, t'as vite fait de trouver une demi-heure. Donc à mon avis, tu fais bien, voilà. Mais ce qui est cool avec la nationale, c'est qu'elle est de plus en plus. Il y a de moins en moins de sections à 90 là. Je pense que surtout entre Bordeaux et Angoulême, il y a une section qui a été ouverte et mise à 110 il n'y a pas très longtemps. Et on voit qu'ils sont en train de terrasser la dernière portion en voie simple là. Donc ça va être fini peut-être d'ici un an ou deux, j'en sais rien, mais on arrive au bout du chantier, voilà, moi qui ai fait
entre Poitiers et Bordeaux, il y avait beaucoup de sections en deux fois une voie, et là, là vraiment ça devient hyper facile de circuler. Du coup, c'est complètement idiot de prendre l'autoroute entre Bordeaux et Poitiers, parce que de toute façon, on gagne même pas quoi, 10 minutes, un quart d'heure à peine, et on a fait beaucoup plus de kilomètres. Il faut compter la consommation de carburant à 130, bien sûr, qui est plus importante. Voilà. Allez, je vais tourner sur Eric. À toi, vas-y. Ouais, ok, mais bon courage, en espérant que ça circule bien, parce que moi, je te dis pas, pour rentrer depuis le nord en Gironde, là, c'était un petit peu le bordel aujourd'hui, hein, pour rentrer dans la soirée. Il y avait beaucoup de circulation, même dans les deux sens, c'est le vendredi en général, et puis bon, là, c'était un peu le bordel, mais bon, on a réussi à rentrer. Voilà, allez, retour sur la rue. Ok, ça marche. Alors attends que je mette les lunettes. Donc les annonces. On a les 73-51 de la Suisse qui nous suit là à chaque fois sur le QSO. On a les 73-51 de 14 Romeo Fox, Romeo 138 Dylan du département de l'Isère. Voilà, qui nous envoie là c'est les bons 73-51. Et autrement, ben, quand vous voudrez, là, il y a quelques petites news là, de la semaine. Ah ben, du coup, je vais reprendre. Oh là là, je suis en train de m'arracher les oreilles. Pardon, excusez-moi, j'ai pas encore le réflexe de couper le son. Ben, pour les news, moi je suis preneur, hein, je sais pas, hein, je fais le tour, on va retourner sur Doudou, là, mais moi je suis pour les news de la semaine, hein, Hachi. Alors la météo, il faut que je regarde la grenouille dans le bocal. Non.
Oui, il n'y a pas de souci, donc on va retourner sur Rémi. Je pense qu'il va nous parler de ça. Alors, sa promenade de cet après-midi, si, c'est ce que j'ai vu un petit peu sur Facebook. Et puis, on va se retourner le micro. Allez, vas-y, Rémi, on va laisser juste un petit blanc avant, voir si quelqu'un veut rentrer. Et puis, si la personne, tu reprends, Rémi. Ok, en plus là tu vois, là tu m'as pris à contre-pied parce que pour le coup, ce que tu viens de me dire là pour cet après-midi, je l'avais vite. Alors première news, celle-ci elle est physique, je te le passe au micro. Oh, je connais cette modulation, 73 cher ami. Oui, la modulation, tu la connais, oui, c'est celle du ISO-ST 450. Oh, comment il va, notre petit charanté belge, hein? Oh, bah écoute, il va, hein. En malade, on va dire. Ouais, bah écoute, t'as les bonnes amitiés de ma part, et puis j'espère que tu vas bien, voilà. Allez, je retourne le micro suivant. Ludo. Ah, ouais, non. Les belles sont 1351 à toi, c'est cloni, je cherchais les mots, je vais donner ton indicatif et puis j'ai évité, voilà, j'espère que ça va bien, cloni, voilà, la semaine dernière c'est moi qui étais dans ton pays, dans ton département d'adoption, et cette semaine t'es dans le mien, Hachi, voilà, retour. Ça peut être sympa. Ok, donc c'est nationalité pour 14, Charlie Hotel 016, hein, c'est bien ça? Ouais, affirmatif. Ok, super, ben, je te remercie. Ça, je... Voilà, ben, je passe le micro au suivant, à toi Doudou. Excuse de l'YL, on a déjà fait celle-là. Les bonnes 73 à vous tous. Et puis ben, bon QSO. Je vous repasse notre ami Rémi. Ok, merci du retour des micros. Alors attends que je remette ça en place. Voilà, ça y est, c'est bon. Ok, tu veux qu'on commence par cet après-midi? Ça marche? Alors, pour rappel, il existe encore des magasins là, qui vendent du matériel. Hein. Il n'y a pas que sur Internet qu'on trouve du matériel CBI. Et pour nous, sur la région, eh bien, il y a toujours le centre auto du Leclerc Saint-Médard. Voilà, j'y suis retourné là cet après-midi. J'ai repris quelques nouvelles photos. Donc là, ils ont un rayon qui est quand même pas mal complet. S'il n'y a pas le matériel que l'on veut, ils peuvent passer commande. C'est pas un problème. Et j'en ai profité pour leur lâcher un petit paquet là, de cartes, j'allais dire de cartes USL, moi, de cartes de visite. Et ce qui permet, eh bien, s'ils n'ont pas les infos, si les gens, les clients n'ont pas les infos qu'ils veulent sur le par eux-mêmes, ben, ils peuvent l'avoir via le forum. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit zapping là, sur sur les photos. Voilà. Deuxième news. Alors, hier, on a eu, hier matin, j'ai eu des Anglais là, qui m'ont envoyé un message là, du forum Charlie Tango DX.
Voilà, car pour eux, là, hier, ils fêtaient la Sibie. Et donc, pour l'occasion, ils étaient présents sur trois fréquences. Alors, ils étaient sur le 27-125 en AM, le 27-951.25 en FM, donc carrément dans le haut de la bande, et aussi sur, pour l'histoire de bien nous tendre la main, sur le 27-275 SSB. Alors, ils sont peut-être là derrière, peut-être qu'ils nous entendent pas, je sais pas, je suis pas sûr que la propagande soit très, très favorable. Troisième news. Voilà, ils ont donné un petit peu, là, ils ont montré un peu le résultat de leur sondage. Alors ce sondage était basé sur l'aménagement là, des 40 canaux. Alors y a des trucs qui sont quand même assez intéressants à voir. Hein. Et le fichier est à consulter, on le trouve partout, soit sur Facebook, soit sur le forum. Donc à chacun de voir. Mais ça, comme certains ont remarqué, ça ressemble un petit peu par endroit à ce que le journal du 11 mètres avait fait à un moment donné, quoi. Voilà, retour Eric. Ok, c'est ce que j'avais vu sur Facebook, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Attends, j'ai entendu du monde derrière, on va aller s'en suivre en avant les stations. C'est le moment. Ah, et moi aussi j'ai entendu la surmodulation là, dans le casque. Ah, ils sont timides, tant pis, c'est pas grave. Allez, mais retour les dos. Ouais, je viens de regarder là, je reviens sur la première news, là, les photos là, sur le centre auto de Leclerc. Effectivement, ça a l'air bien fourni. Et quelques, y a un peu de matos, c'est vrai que comme. Comme dit un OM, c'est assez rare de voir ce genre de truc, dans une grande surface en tout cas, donc ça fait plaisir. Mais justement, je serais très curieux de voir s'il y a de la rotation dans les produits, concrètement, savoir s'il y a de la vente, quoi, connaître le chiffre d'affaires du rayon, là, je serais vraiment très curieux, pour se faire une idée un petit peu du truc. Ce que tu aurais dû faire, Rémi, c'est que tu aurais dû prendre les antennes, et mettre écrire la date du jour derrière discrètement au crayon, voilà, et puis revenir dans quelques mois pour voir s'il y avait toujours les antennes avec la petite marque derrière ou si ça a bougé entre temps et tout ça. Ça aurait été marrant de se faire une idée comme ça de voir si les produits sont achetés, etc. Parce que bon, je suppose que s'il y a un rayon qui est fourni comme ça, c'est qu'il doit arriver à en écouler quand même un minimum, du moins j'espère. Pour eux en tout cas, voilà, pour la curiosité, vraiment ça fait plaisir de voir comme ça les boîtes d'antenne avec le logo président numéro 1 civil et tout, ça rappelle la belle époque, Hachi. Ok, ben je vais faire tourner sur Doudou s'il veut réagir sur ce que tu as indiqué comme news, voilà, toi Doudou. Hop là, il y a eu un passage de propag là sur la fin. Jérémy. Oui. Une petite question, est-ce que tu as cassé la tirelire pour la nouvelle antenne ou pas là du fouche? Eh non, pas encore. non, je résiste pour le moment. Ouais. Et tu vois les forums un peu, c'est vraiment bien.
Eh bien, ouais, tu parles de la Winsome 5000. D'après ce que j'en entends parler là un peu partout, à droite, à gauche, même sur les groupes québécois, en tout cas, de toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est que les fabricants jouent à grands coups de gonflage de chiffres et tout, hein, dans ce qui concerne les dB et tout. Hein. Mais par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est que cette antenne est de bonne fabrication. Donc déjà, là, il y a un point positif. Et il y a des fans même hein, pour cette antenne. De la faire cramer celle-là. Tu vas pouvoir en rajouter 3 ou 4 batteries pour... Parce que je vois combien ça tient. Oui, je crois que c'est 5000 watts, un truc comme ça, crête. C'est... Non, mais c'est un truc de dingue. Ça fait beaucoup hein, pour le push après. voilà. Bon, bah, écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu as d'autres news, vas-y. Hein. Et puis après, tu peux tourner. Hein. Sinon, j'ai regardé sur le bon coin, il y a quand même pas mal de postes qui sont vendus. J'étais presque sérieux hein, quand même quand je disais qu'il faut les foutre de date derrière les produits là, dans les magasins. Ce serait vraiment intéressant d'avoir des stats un petit peu là-dessus. Il y a aussi un truc qui me dérange, moi, c'est d'aller faire un tour m'arrêter là, sur la National 10, là, sur la station Avia, là, qui est un petit peu avant Poitiers, où il y a une antenne dessus. Là, ça me démange, à chaque fois que je passe devant, je me dis, tiens, tu vois, souvent c'est un record, tout ça. Ça m'arrive de passer devant, un de ces quatre, ça va m'attraper, j'ai commencé à travailler psychologiquement mon YL sur le sujet, donc j'irai peut-être faire un tour un de ces quatre. Ouais, voilà. Donc cette histoire d'antenne, là, ça continue petit à petit, Rémi, bah écoute, voilà, le jour où tu auras craqué, pas de soucis, et puis bon, 5 kilos, c'est rien, quoi, pour une batterie de voiture, ça vient avoir la gueule de l'antique, comme ça, c'est une sacrée bestiole, avec des grosses lampes à l'intérieur, c'est intéressant à mettre la pile dans la voiture pour refroidir l'ampli, parce que sinon, on va le barrer, voilà, retour Rémi. Sur
là, c'est pour signaler que j'ai dit, vous êtes, je croyais que j'étais sur une fréquence sous-marine. Mais quand vous parlez, ça fait bizarre votre radio. Il y a toi, Ludo, il y a Rémi, c'est pareil. Voilà, je ne sais pas comment vous parlez, mais on dirait que vous êtes en train de parler dans un sous-marin. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre la radio. Ok, merci pour l'info, écoute, c'est toujours bon, j'ai pas l'occasion de m'entendre à distance, donc forcément, c'est difficile, mais j'aurai peut-être l'occasion, peut-être sur une vidéo de Rémi ou autre, d'écouter un peu la gueule de la modulation que ça fait. Après, t'as pensé, Rémi, je sais pas, mais pour ma part, c'est le micro d'origine, hein, du poste, qui est pas non plus d'une excellence reconnue, je veux dire, c'est pas un MD100 ou un truc comme ça, donc voilà, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais bon, il a le mérite, c'est pratique, on va dire, il tient dans la main. Voilà, mais c'est sûr que ça vaut pas un bon micro de studio, tiens, par exemple, on entend ça. J'entendais la semaine dernière, il y a eu un coup de propagande sur la Réunion, c'est la Guyane. Sur la Guyane, là, il y avait un OM, je sais plus son nom. Il avait une modulation vraiment super chouette. Hein. Il modulait avec un micro de studio. Et vraiment, le rendu est excellent, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je retournais le micro à Doudou. Donc, retourne à toi, Doudou. C'est pas la question. Non, mais je sais pas si vous entendez, je sais pas comment vous parler. Mais bon, il y a toi, puis il y a Rémi, c'est pareil. On entend, voilà, vous parlez. On entend que ça, que la respiration. On a vu ça, que Rémi vient de parler. Je vais pas vous emmerder plus longtemps parce qu'il y en a un qui vient de me dire que je vais vous emmerder, donc je suis là en neuf. Ça me dérange pas, hein. Je peux le mettre où je veux, ça part pas quand même. Bon,
vaisseau, voilà, c'était pour dire ça. Et René, c'est comme ça, je suis pas venu là pour vous emmerder, hein. Je suis passé comme ça, bon, je fais un petit coucou, si ça vous plaît pas, bon, c'est pas grave, je m'en vais ailleurs, hein. Je m'en fous, Moi j'attends 10 heures, alors tu vois, alors, j'ai encore une demi-heure de stand-by, après je vais ailleurs, alors je m'en fous, hein. Bon, voilà, allez, bonne soirée, mon vaisseau. Ok, bonne 551 à toi Thierry, puis bah merci pour l'info pour le micro, je vais essayer de parler moins près, voilà, ça sera quand même peut-être meilleur, je sais pas, voilà, je vais faire un retour micro sur Rémi pour voir ce qu'il en pense. Allez, bonne 551 à toi, bonne soirée. Ok, bonne soirée, c'est joli, bye bye. Allez, 73 Thierry, 73 de nous. Ouais, 73 de nous. Sur modulé tout à l'heure quand Rémi a dû a dû reprendre le micro pour répondre à Thierry, du coup j'ai sur modulé, désolé. Voilà, oui Doudou, qu'est-ce qu'il disait, hein? Ça c'est bon, ça Je n'ai encore jamais vu de
de base ou radio-cité quoi. Après peut-être qu'il peut y avoir, hein, je ne sais pas du tout. Moi je pense que c'est plus du radio-cité pour camion, aussi pour la maison, les câbles, les micros et tout ça. Mais c'est trop gros aussi quand même pour le prochain. Ok, bah en même temps ça se comprend parce que je pense que la clientèle principale ça va être des routiers, donc quoi que ça veut rien dire, parce qu'il y a des routiers qui s'équipent bien aussi en BK ou trucs comme ça, donc mais bon c'est je pense que la masse ça doit être surtout la cible entre guillemets traditionnelle si on peut dire. Donc voilà. Bon, je vais retourner un peu le micro, est-ce que ça tourne entre nous deux là? Je passe le micro à Eric, vas-y à toi Eric. Ok, merci pour le retour du micro. Où c'est qu'il se trouve ce magasin? C'est sur la route en allant sur Poitiers, c'est ça que tu dis? Oui, sur la nationale 10, c'est la station Asia de Livonne. La station Asia de Livonne, on l'a télévisé parce qu'il s'appelle Gérard, je crois. Mais c'est la station Asia à Livonne, en direction de. Quand tu vas en direction de Paris et de Poitiers, quoi. Ah ok, d'accord. Ouais. Parce que sur Bordeaux, on avait une station là, sur les quais à un moment. Je sais pas si tu te rappelles, Rémi, qui c'est à vos côtés de Bassens, là, qui justement, je crois que c'est Bassens ou leur mangeoir, en fait, je peux dire des tirs, et une station qui vendait du matériel pendant longtemps. Là. Tu te rappelles de cette station là, Rémi? Oui, affirmatif, très bien. Oui, c'était sous les quais de Bassens. Voilà, en bas de la côte de la GT. Alors, c'était la station Total, si je me souviens bien. Et lui, son QRZ, je me souviens plus. Elle, par contre, c'était Blandine. Voilà, c'est ça. Et aussi, sur les quais, pas loin du pont de Pierre, il y avait une autre station essence, là, qui faisait aussi là, du matériel CB. Mais bon, la station a carrément disparu, là, depuis. Hein. Ouais, ok, ouais. Je me semble bien qu'ils vendent du matériel. Et il y avait une station à Via aussi, je crois, du côté de... Je crois que c'est en haut de Lormont, là, pas loin de chez Ricard, entre chez Ricard et puis le comment ça s'appelle, la maison de repos là, qu'il y a. Qui ont vendu du matériel civil à l'époque aussi, ouais. Mais je crois que ça a disparu. Bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Allez, retour sur Loulou. Ouais, parce que Ah ben là, non, je vois pas, là, si, j'en ai bien une, mais elle n'est pas pour ce week-end, donc là, je garde ça sous le coude pour le week-end prochain, juste un indice, ça concerne, alors que je montre ça en même temps, là, sur l'écran, voilà, ça concerne Blue Forum. Alors il y a quelque chose qui se prépare pour pour le 14. J'en dirai plus le week-end prochain. Ouais ok, mais on verra ça, on nous dira ça, il n'y a pas de souci. Ok, pas de problème, allez, vas-y Ludo. Ah ouais, j'aime bien quand Rémi commence à nous faire du teasing hein, comme ça. Ça c'est pas mal. Ça fait envie d'être le week-end prochain, voilà.
Qu'est-ce que je veux dire? Je suis surpris d'apprendre qu'il y a eu une station-service juste à côté du pont de Pierre. C'est vrai que quand on voit maintenant le quartier et tout ça, on n'imagine pas du tout trouver une station-service à cet endroit-là, mais bon, à une époque c'était normal. Donc voilà, la ville change énormément. Voilà. Et avec ce pont de Pierre qui est fermé à la circulation, on est bien emmerdé maintenant. Voilà, du côté de Bègle, là, apparemment la circulation c'est un peu l'enfer. Et en tout cas, moi depuis quelques années, je constate sur la rocade que c'est vraiment galère de plus en plus. Voilà, même pendant les vacances, où habituellement c'est hyper calme, il y a des situations de congestion terribles. Et même cette année, pendant les vacances d'été, en été, tout le mois de juillet, il me semble que ça a été le bordel, comme si c'était pas les vacances. Et c'est à partir de début août que ça a commencé à décroître un petit peu pendant à peine 2 semaines. Alors, on est 2 semaines de calme, voilà. Bon, c'est la petite parenthèse sur la circulation. Voilà. Centaure, oui, si tu veux prendre le micro, vas-y, n'hésite pas, hein, le QSO est ouvert. Donc on va laisser un petit blanc pour que Centaure puisse rentrer dans le QSO, voilà, et puis après, je laisse Rémi reprendre le micro. Allez, vas-y, à toi Daniel. Daniel n'est pas à la station, très bien. et profite bien du QSO, voilà, en écouteur, en SWL, pas de soucis. 73 quand même, il n'y a pas de problème. J'en profite pour répondre à Cyril. On ne cherche pas spécialement de matériel, hein. Voilà, c'est juste qu'on discutait des magasins et tout ça. De toute façon, le matériel, faut pas chercher le matériel civil, parce que sinon on en achète trop. Voilà, déjà quand on le cherche pas, on tombe dessus et on en achète, alors qu'il faudrait pas forcément. Alors si en plus on en cherche, mon Dieu. Voilà. Donc voilà. Allez, je fais le retour de micro sur Rémi, à toi Rémi. Tiens, justement, je suis con, tu parles de matériel. Alors là aussi, je vais en donner un petit bout. Et faudra attendre la suite au fur et à mesure que ça se fasse à Chitroico. Alors je dirais pas que j'ai un coffre de matériel là, qui est rentré là aujourd'hui au QRA, mais j'ai bien 2-3 cartons quoi. Ouais, donc y aura des photos de prise, il y aura des vidéos de fêtes de chaque appareil. Voilà, j'en dis pas plus. Hachi, j'aime ça, donner un petit peu comme ça là, sans trop. Tes combles et faire un musée de la radio dans tes combles quoi, que tu fais visiter aux amis. et puis voilà, parce que là je sais pas combien de cartons t'as récupéré là, mais tu me fais peur là. Je pense que tu vas pouvoir remplir des pièces entières avec des postes civils. Si ça se trouve, si ça continue, tu pourrais peut-être même faire des murs de maison en poste civil. Alors ça, ce serait énorme ça. Voilà. Je fais tourner à toi Doudou. Les 73 à nouveau retourné. Et ça retourne le micro, Rémi. J'ai entendu bonjour à toi, Dandy. Le reste n'est pas forcément bien passé parce que j'ai le web SDR sur une oreille, j'ai le poste sur l'autre oreille. Je te dis pas la cacophonie que ça fait entre les deux avec le vide qu'il y a. Hachi. Ça va bien, vous pouvez faire le VFO des fois. Oh putain, j'ai rien compris. Ça
dû mettre un coup de pied dans le VFO, là, le groupe. Ok, ouais, non, excuse, voilà, je suis revenu sur la fréquence, je m'étais, ben oui, j'avais qu'à enclencher le clarifieur, ouais, j'ai le froid relâchant, je m'étais recalé sur, sur Doudou. Ah ouais, ok, bon, tu vois, pour faire la surprise que tu ne veux pas nous dire, là, c'est que il va faire un vide éloigné, je pense, Rémi, voilà. La connexion s'allonge, oui. Je dirais pas qu'un double, non, quand même pas. Mais j'ai pas compté, je préfère pas compter pour le moment. Non, mais c'est bien, c'est avec récupéré du matin, c'est bien, c'est impeccable. Ça pourra toujours servir. Ah, ça, et il sera exposé à Marraine. Tu peux rajouter un petit peu là-dessus. Ça pourra servir pour exposer l'année prochaine. Hein, ouais, enregistrer le break. Oui, non, mais c'est sûr que ce sera exposé à Marraine. Hein. De toute façon, Marraine, alors, il y a l'association ERCI là, qui pousse au cul pour que le salon se fasse. Et il y a d'autres trucs en projet. Je peux pas, en dire à la seconde. Ok, mais écoute... Comment je parle mal, mais... Si t'as entendu le break, je vais le rappeler, hein. Oui, la station qu'elle a sa appel en avant. Ah, il y a un indicatif là qui est passé, oui, en avant. Bon, vas-y, Eric, essaie, parce que là, apparemment, il m'entend pas. Non. Mais écoute, j'ai pas entendu le vrai, quoi, donc, je sais pas, s'il y a la station qui veut rentrer, mais allez-y, la station. Est-ce que des fois, ce ne serait pas la station de la Dordogne ? Bah, vas-y, retourne les eaux, hein. Tu feras tourner, hein. Bah, dans l'eau, ouais, ça va, mais c'est un petit peu plus aujourd'hui, là, c'est pas mal, hein. Enfin, à peu près tout le monde, hein, qu'est-ce que ça joue à moi, là, mais c'est difficile, bon, on peut pas faire mieux, hein, c'est comme ça, hein. Parce que le vide-grenier c'était aujourd'hui et puis là je crois qu'il a un petit peu trop tenté, il m'a dit vas-y prends ma place, il faut que j'y aille. Il est parti en courant même, hein. Je te jure, hein. Il a trébuché, il a failli se torcher, et là je sais pas ce qu'il fait, il rentre, je sais pas ce qu'il fait là. Il a changé ou de l'aquarium en fait, Claudie? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas encore été voir, mais j'ai vu qu'il avait mis un bulleur, ça fait des petites bulles, c'est bien. Okay. Non mais c'est qu'il en prend soin en plus de ces petites bêtes là-bas. J'espère qu'il fait pas pipi dans l'aquarium quand même. Non, il est pas parti. Non. 15. Bon ça y est, il est content, on m'a dit 15. Plus tout le reste du matériel. Ouais, donc il y a 15 TX. 15 TX plus le reste du matériel.
Ouais, en même temps je le savais puisque bah voilà quoi. Oui, je suis le Père Noël avant l'heure. Moi j'en ai 3 ici donc 3, bah oui, j'ai mon vieux Euro Civic Clinton, j'ai le, comment il s'appelle, le Alinco DR135 DX, voilà, j'ai utilisé pendant un an, et puis là il y a le Miezou qui est venu rejoindre alors c'est pas, je vais pas dire qu'il fait la collection hein, parce que ce serait faux, mais ouais effectivement ça commence à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que mon Clinton, je vais le garder. Hein. Je vais le garder parce que même s'il est décalé en fréquence et qu'il n'arrête pas de bouger quand je module au fur et à mesure qu'il chauffe, ben n'empêche que vu les coups qu'il a pris et ce qu'il a encaissé et les coups de tos qu'il a eu dans la tête et tout ça, bon ben il est quand même, je dirais qu'il est quand même plutôt fiable. Il est costaud, on peut renfoncer des clous avec. Et puis bon, quand j'y tiens, quoi, c'est mon bon vieux TX avec lequel j'ai commencé, donc forcément j'ai pas envie de le céder. Et puis voilà, quoi, ça peut toujours être utile, on sait jamais, un jour, un jour d'ouragan, on sait jamais, ça a besoin d'équiper une bagnole, je suis prêt, à suivre. Ok, allez, je vais tourner sur Jeanne-Éric, à toi Eric. Ok, merci pour le retour. Le Yazoo, pour le moment, toujours là, et puis j'ai aussi le mobile, là, c'est le président Chauveau, l'empereur Chauveau, et il fonctionne bien, toujours, donc, mais je vais pas tarder à le remonter, là, dans le pouce. Je suis de faire quelques petites réparations, là, comme j'ai dit à Rémi, à partir de la fin du mois prochain, là, je remets le pouce en fonction avec la civière à l'intérieur, donc, vous allez m'entendre, voilà, avec le Shogun. Ah oui, ma fille fonctionne bien, tu vois, celui-là, j'en suis content, il bouge pas en fréquence, et puis, voilà, quoi, donc, on va faire avec, voilà, retour sur nous.